les chats et les chiens, non. L'encyclopédie de la médecine vétérinaire, non. Ah, les petites bêtes. Ah. Ah. Bonjour, mon petit coquin. Je savais que tu étais là. C'est Néron qui me l'a dit. Tu connais pas Néron? C'est lui, mon petit Néron. Il me dit plein de choses, tu sais. Oui, oui. T'as vu mon beau livre? C'est un livre sur les tout petits animaux. Il est beau, hein? Regarde, une araignée, un lézard. Oh! Un escargot. C'est Kunga qui m'a demandé de le sortir et voulait regarder les images. D'ailleurs, je me demande vite ce qu'elle fait, la Kungunette. Pas si fort, les cocos! Mais arrêtez! Mais qu'est-ce que vous avez donc? Vous êtes bien énervé! Je fais comme Zouzou! Je vole! Ouh, ça sent l'orage! Quand mes petits cocos sont foufous comme ça, c'est qu'il va pleuvoir. Foi de Néron. Salut, devine ce que j'ai. Tu vois, devine ce que j'ai. Est-ce que tu peux nous donner des indices? Oui, c'est un petit animal et on peut le manger. Un ver de terre. Yeah. Non, c'est difficile, hein? C'est un petit animal et on peut le manger. Attendez, je sais ce que je vais vous dire. Il transporte sa maison sur son dos. Regardez, il a des cornes. Oui, et savez-vous pourquoi il bouge ses cornes comme ça? Non. Non? Pour se défendre. Oh non, pour regarder, pour voir partout, partout. Parce qu'au bout de ses petites cornes, l'escargot a des yeux. Ah, oui, oui, des yeux. Tibor, tu mets tes doigts dans ses yeux. Tiens, ma belle Kunga. Dis-moi donc, où est-ce que tu l'as pris, ton bel escargot? C'est un secret. Non, non. Dépêche-toi, coquette. Et n'oublie pas ton parapluie, il va pleuvoir. Mon parapluie! Donne-moi mon parapluie! Oh, mais lâche-moi, coquette, c'est mon parapluie. C'est mon parapluie. Mais non, c'est mon parapluie. Donne-moi mon parapluie. Mais c'est mon parapluie. Coquette, lâche-moi immédiatement. Oh, oh, mais quelle manière! A-t-on déjà vu ça? Mais qu'est-ce qui te prend, coquette? Ton parapluie est là, à sa place, comme d'habitude. Non, cornette, ça, c'est ton parapluie. Non, madame, non, madame. Mon parapluie, c'est celui-ci. Et je vais te le prouver. Regarde. Il y a une petite tache de caca de moineau juste ici. Ça ne veut rien dire, madame, parce que mon parapluie a aussi une petite tache de caca de moineau juste là. Ah oui? Eh bien, moi, mon nom est écrit dans mon parapluie. Ah bon? Oui, madame, juste ici. Où ça? Ici, regarde. Coquette! Je le savais, c'est mon parapluie. Oh, bon, eh bien, alors celui-là, et c'est le mien. Oh, cornette. Voilà. Mon parapluie. Bon, maintenant t'as fini de manger. Et puis je vais donner à manger à ta sœur. Non, à ta cousine. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on dirait ma poupée Rosine.
C'est Rosine. Elle est belle, hein? Oui. Tu te souviens? Sa figure, elle était toute barbouillée. Eh bien, ma mère, elle l'a nettoyée avec un savon spécial. Et puis, c'est tout parti. Et puis, t'as vu sa belle petite robe? C'est Wala qui l'a cousue avec du fil. Ensuite, moi, j'ai peigné ses cheveux. Et puis, elle est devenue belle, belle. Waouh! Bon, maintenant, Rosine, tu vas manger. Maman t'a préparé de la bonne purée de chocolat. Chut. Tu parles trop fort, tu vas réveiller mon bébé. Ah, je savais pas. Ouais. Bon, il est réveillé. Mmh, un petit chat du bon lait, Rosine. Bon. Ah, maintenant là, on s'en va à la maison. Tu vas te coucher sur mon lit et puis aussi je vais te raconter une histoire. Une histoire de mange, Rafi. Rafi, qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'en vais chez moi. Je vais revenir tout à l'heure. Mais tu peux pas partir avec Rosine. Pourquoi? Parce que c'est ma poupée. Je veux qu'elle reste ici. Non, c'est ma poupée. Non, Rafi, c'est ma poupée. Tu me l'as donnée. Non, je te l'ai pas donnée. Oui, tu me l'as donnée. T'en souviens pas? Quand tu as fait la vente des barras avec ta mère? Oui, tu t'en souviens. Il faut que tu te fermes les yeux. Regarde, comme moi. Ferme tes yeux et puis tu vas t'en souvenir. Moi, je m'en souviens bien, bien. Toi, Rafi, tu voulais vendre ta poupée Rosine un sou. Et puis, moi, je la voulais, mais j'avais pas un sou. Alors là, t'as été vraiment gentille. Tu me l'as donné, Rafi. J'étais tellement contente. T'en voulais plus de Rosine. Tu l'aimais même plus. Mais maintenant, je l'aime. Oui, mais maintenant, c'est ma poupée. Tu me l'as donnée. Tu peux pas la reprendre. Non, c'est ma poupée. C'est ma mère qui me l'a donnée quand j'étais petite. Oui, mais maintenant, c'est ma poupée. Je joue presque toujours avec elle. C'est presque ma poupée préférée. Oh! J'aurais jamais dû la donner. Je l'aime. Mais Kunga aussi, elle l'aime. Oi, 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 oi. Rafi me l'a donnée, Rosine. Elle est à moi maintenant. J'ai pas envie de la redonner. Mais avant, c'était à elle. On l'aime toutes les deux. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Youhou, Gounette! Ton petit papa est allé au marché ce matin. Viens voir ce que j'ai rapporté. C'est mon père. Il m'a peut-être apporté une surprise. Oh. À toi, Anne. Est-ce que tu aimerais ça prêter ton jeu aux amis? À moi. Pourquoi tu veux le prêter à toi, aux amis? Pour qu'ils jouent avec moi. C'est à qui? À moi. À toi, Philippe. Est-ce que tu aimerais ça le prêter à quelqu'un? Maman, ça va être à Philippe, il a fait pasta. Eh bien, ça, moi, je vais prêter ma montre à ceux qui veulent. Est-ce que je crois que je la mettre dans ma baseball? Oui. Et là, c'est moi qui choisis. Oh! Oh, tu vois, Coquette? Qu'est-ce que je te disais? Il pleut! Moi, wow, j'adore la pluie! Il pleut, ma chère. Ouvre ton parapluie. Tourne-le à l'envers, oui. Allons cueillir la pluie.
trouvera des grenouilles. Ce sera leur piscine. Moi, j'aime la pluie qui mouille. Moi, j'adore la pluie. Il pleut, ma chère. Mets tes bottes de pluie. Ne mets pas à l'envers, non. Ce ne serait pas joli. Et pas non plus très sage. Danger pour ton derrière. Moi j'aime les orages. Moi j'adore la pluie. Il pleut, ma chère. Lève ton capuchon. Ouvre grand tes oreilles. Écoute, écoute ton don. Les gouttes, gouttes à gouttes jouent une ritournelle. Moi, je les aime toutes. Moi, j'adore la pluie. Il pleut, ma chère. Rentrons vite, rentrons. Y'a de l'eau partout par terre, dans toute la maison. Besoin d'une vadrouille, de deux ou trois chaudrons. En beau temps pour les grenouilles. Y'a une perroquette aussi. Moi j'aime la pluie qui mouille. Moi j'adore la pluie. Quelque chose qui devrait vous intéresser, des escargots. Des escargots. Il y en a partout. Une invasion d'escargots. Au secours, Madame Rafi, Madame Kunga, il faut les rattraper. C'est pas grave, monsieur. On va t'aider, oui. Non, celui-là va aller se cacher dans ma chambre. Attrapez-le, attrapez-le. Non. Viens dans ton panier, toi. Kunga, j'en ai attrapé plein qui s'en allaient dans ton lit. Le vilain. Une chance que tu les as rattrapés. C'est quand même... C'est quand même bizarre. J'avais pourtant bien refermé le panier. Hein, Kunga? Bon. Oh, mais beau travail, mesdames. Et maintenant... Oust, je dois préparer mes fameux escargots à l'aïe aïe aïe. Tu sauras, ma fille, qu'on vient de très loin pour goûter à mes succulents escargots. Oui, ma chère. Oups. Oh, mes excuses, mademoiselle. Oh, mais à qui la belle poupée? Mais à qui la belle poupée? À moi. Ah bon? Elle est à vous deux? Bien non, ça se peut pas ça, papa. On n'habite même pas dans la même maison. On n'a même pas les mêmes jouets. Rafi, tu pourrais changer de maison? Tu pourrais venir habiter ici avec moi? Comme ça, Rosine serait à nous deux. Mais moi, j'aime mieux rester dans ma maison avec ma maman Ruby et puis Rosine. Bien, Rosine peut pas être chez toi et puis chez moi en même temps. Non, on peut pas la couper en deux. Je sais. Il faut faire autre chose. Mais quoi, Rafi? Mais je sais pas, moi. Papa? Est-ce que tu sais comment on pourrait faire, toi? Peut-être. Vous pourriez partager la garde? Hein? Eh bien, Rosine pourrait habiter une semaine chez toi, Rafi, et une semaine ici, chez nous. Mais moi, je connais même pas les semaines. Moi non plus, papa. Eh bien, je serai le chef de garde. Et le chef de garde vous dira quand la semaine est terminée et quand Rosine peut changer de maison. C'est peut-être une bonne idée, Rafi. Oui. Comme ça, Rosine pourrait habiter chez moi pendant toute une semaine et chez moi pendant toute l'autre semaine. C'est une bonne idée. C'est ça qu'on fait. Ah oui.
viens de jouer chez ton papa? Hercule. Hercule? Quand tu vas revenir? Quand tu vas revenir? Tu vas revenir dans une semaine. Puis toi, tu vas t'amener quelque chose chez papa? Quoi? Ta doudou. Ta doudou? Oui, on va amener la doudou. Passez bien une belle semaine. Bye, Kevin. Bye. Coquillage, joli, joli bricolage. Oh, quand je cuisine des fruits de mer, je ne jette jamais les coquilles. Oh non, je les garde pour Wala. Elle s'en sert pour fabriquer de bien jolies choses, comme ces bricolages aux trois coquillages. Oh, regarde. Oh, tu vois ce collier? C'est Wala qui l'a fait. Oh. Elle a choisi trois sortes de coquillages, seulement trois. Des cônes, comme celui-là, qui ressemble à des petits cornets. Des peignes. Ceux-là, on les reconnaît bien parce qu'ils sont marqués de petites lignes, comme les peignes pour les cheveux. Et des escargots. Ceux-là, tu les connais bien. Hein? Alors, voilà, les enfiler comme ça. Toujours dans le même ordre. Un cône, un peigne, un escargot. Un cône, un peigne, un escargot. Un cône, un peigne. Et si on continuait le collier? Si on faisait le plus long collier du monde? Oh, oui! Oh, tu veux m'aider? Oh, d'accord. Alors, qu'est-ce qui vient après le peigne? L'escargot. Et après l'escargot, un autre cône et un peigne et un escargot et un autre cône et un peigne et un escargot et un cône et un peigne et encore un escargot. C'est pas juste. On n'a jamais le droit d'aller jouer dehors quand il pleut. Oui, même si on a des bottes de pluie. Juste comme on allait sortir, il se met à pleuvoir. Oui, mais c'est même pas grave. Oui, c'est très grave, Tibor. Aujourd'hui, tu restes dans la maison. Tu fais Vindalou, Tibor? Oui. Oh, je sais à quoi on joue. On joue que tu es notre père et nous, on est tes enfants. Oh, oui. Mais pas trop fort parce que mon père, il se repose. D'accord. Pourquoi? Est-ce qu'on peut aller jouer dehors? Oui, certainement, mes enfants. Mes filles. Mais papa, il pleut. C'est pas grave. Allez jouer dehors. Papa, j'ai perdu mes bottes de pluie. Ça fait rien, Raffinette Tirette. Vous pouvez aller dehors du pied. Est-ce qu'on peut y aller en maillot de bain? Oui, certainement. Avec vos lunettes de soleil. Est-ce qu'on peut y aller toute nue? Oui, certainement. Non. Il va faire trop froid. On va avoir de l'eau partout. Oui. Même dans le nombril.
mouiller. Pourquoi? C'est moi qui veux faire mouiller la tête ou la face. Quand mon parapluie Mickey Mouse. Est-ce que t'aimes jouer sous la pluie? Oui. Pourquoi? Parce que c'est sans faire de ses flacons. Attends, c'est moi, j'adore les orages, tu l'as. Tout le monde aussi aime les orages. Moi j'aime ça, moi j'aimerais ça aller dans des orages. Ou quoi parapluie? Tu n'es pas peur des orages. Moi les mêmes pas peur des orages, moi j'aime ça aller dans les bouts des orages piquants. Ben lui il veut pas, c'est lui qui veut pas. C'est quoi ça? Le bout du tonnerre. Meilleurs escargots au monde. Oh, oh, c'est délicieux. Oh, Pas trop d'ail. Oh, juste assez. Non, Cornemuse, tu aimes les escargots? Je pensais qu'il y avait seulement mon père qui mangeait ça. Oh, tu devrais y goûter, Kunga. C'est délicieux, vraiment bon. Non, c'est pas bon. Y as-tu goûté pour dire ça? Oui, une fois. Oh. Yark. Oh. C'est pas bon. Eh bien, moi, j'adore les escargots. Chacun ses goûts. Tout à fait. Mmh. Ma copine Joséphine, Joséphine, ping, ping. Elle aime les tangerines, tangerines, tangerou. Mais bien sûr, parlez-moi de ça, un petit tigre courageux. Oui. Voilà. Merci. Tiens, Rafi, je t'ai apporté toutes les affaires de Rosine. Tiens. Mais tu la gardes seulement pour une semaine, hein? Oui. Après, tu me la remets pour une semaine. Oui, promis. Bon, Rosine, on s'en va à la maison. Attends-moi! J'aime ça! Oh, à la bonne heure! J'ai pas mis trop d'ail? Oui, mais j'aime ça l'ail. C'est déjà l'heure, mon petit cœur. L'heure des bécots. Mais on va se revoir très bientôt, hein? Oh, un béco à l'ail. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe.